est allumé. Il y a un système de préchauffage, donc on va attendre que le moteur puisse monter en température et puisse fonctionner de niveau optimal. Voilà, la machine a terminé de préchauffer le moteur, donc l'huile du moteur est à peu près à température. Donc maintenant, il faut aussi préchauffer l'huile hydraulique, donc qui permet de pouvoir déplacer les vérins de la machine et donc faire des mouvements. Donc on va mettre un peu de gaz. On va abaisser le levier de sécurité pour pouvoir effectuer des mouvements parce que là, du coup, je ne peux rien faire. Voilà. Et donc ensuite, on va faire une série de petits mouvements qui va me permettre de vous montrer ce que fait chaque joystick pour pouvoir chauffer l'huile hydraulique. Donc, le joystick droit va permettre de bouger le bras qui est en haut et qui va jusqu'à la base de la machine. Donc si je tire le levier vers moi, le bras se lève. Pareil, du coup, si je pousse le levier vers l'avant, le bras descend. Ensuite, si on pousse le levier à gauche, vous voyez, c'est le godet qui se ferme. Et si on le pousse à droite, il s'ouvre. Pour le levier de gauche, donc ça va commander le balancier, ce qu'on appelle le balancier, qui est entre le godet et le bras, et aussi le pivotement de la cabine. Donc si je pousse le levier vers l'avant, c'est le balancier qui va aussi vers l'avant. Si je pousse le levier vers l'arrière, le balancier revient vers moi. Et donc si je pousse le levier à gauche, donc je pivote sur la gauche, la machine. Et si je pousse à droite, je pivote à droite. Donc voilà, ensuite il suffit juste de synchroniser les mouvements des deux joysticks par rapport à ce qu'on veut faire. Si je pousse tout en avant, vous voyez, on déplie au maximum le balancier, je ne peux pas aller plus loin. Le bras, bon, je peux aller plus bas, mais là je touche le sol, du coup c'est bon. Et on peut aussi ouvrir le godet à fond pour vraiment aller chercher la terre au plus loin possible. Et pareil, donc si je reviens vers moi, si je veux frôler tout doucement le sol, j'actionne mes leviers tout doucement de façon synchronisée. Ramener le godet au plus près de moi. Donc après voilà, c'est juste une histoire de synchronisation des mouvements. Après il faut pratiquer, tout vient en pratiquant. On a aussi donc le petit bouton qui permet. Ici on a un godet orientable, donc qui nous permet d'orienter le godet avec deux vérins qui sont sur le godet. Là, vous les voyez, les deux vérins. À la position maximum à gauche et à droite. Et donc pareil, tout ça, on peut faire ce qu'on veut. On peut actionner toutes les commandes en même temps selon ce que l'on veut faire.
voilà, une fois qu'on a fait quelques mouvements et que l'huile hydraulique est un peu plus chaude, on peut donc commencer à se déplacer. Donc pour se déplacer la machine, donc c'est ces deux leviers là qu'on peut actionner à la main ou avec les pieds. Et donc voilà, bon là la machine n'est pas dans le sens, n'est pas dans le bon sens. Du coup, en tirant les manettes en arrière, j'avance, et en poussant les manettes, je recule. Bien sûr, si je pivote et que je fais ça dans l'autre sens, j'inverse donc les commandes. En poussant vers l'avant, j'avance. En poussant vers l'arrière, je recule. Après, il faut être dans le bon sens. Il faut connaître dans le sens où on est pour savoir si on avance ou on recule. Donc voilà, on va aller faire un petit tour pour voir ce que ça donne. Si j'utilise que le levier droite, c'est la chenille droite qui tourne, qui fonctionne et du coup je tourne. Et inversement, si j'utilise que le levier gauche, c'est la chenille droite qui tourne et du coup je vais à gauche. Et donc on peut activer le mode lapin qui permet d'aller un peu plus vite au niveau de la translation.
voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. À bientôt.